Merci. Voilà, Jean-Christophe m'a demandé de venir vous parler du surréel. Fait que là, je dis, moi, je suis la personne tout désignée pour parler du surréel. Je dis, moi, le meilleur. Parce que moi, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est sûr, puis c'est réel. C'est juste du vrai. Pas de menterie, pas d'exagération. Madame, elle me regarde, elle a l'air sceptique. Pas d'exagération, c'est juste du vrai. Je vais vous parler de moi, un petit peu. Comme la poutine Ashton. La poutine Ashton, c'est juste du vrai. Juste du vrai. Puis elle est pas, ça vaut pas cher quand il fait un temps de cul. Fait qu'aujourd'hui, je vous fais de la... Moi, je commence avec mon vrai nom. Mon nom, c'est Picot. Et puis, je vais vous faire un petit peu de poésie un matin. Un petit peu de poésie comptée. Je suis prof d'histoire aussi. Tu as dit historien? Plus prof d'histoire. Hein, tu sais, là, c'est réel. Là, c'est réel. Il faut s'en baser aux faits. En histoire, nous autres, on se base sur les faits et rien d'autre. C'est une science, c'est scientifique. Donc, je suis prof d'histoire au Centre Louis-Joliette, juste ici, à côté. Et puis, je suis auteur, compositeur, conteur... et poète. Fait que matin, je vais vous faire un petit peu de poésie. Ça vous va? Puis après ça, vous pourrez aller travailler. Puis moi, je vais retourner avec mes petits morveux. Fait que mettons. Toi, tu veux les créatives morning, surréel, matin, créatif. Là, t'arrives, là, tu dis, waouh! J'ai rencontré, tu dis ça à ta gang. J'ai rencontré un poète, s'appelle Picot. Puis ça me donne le goût de faire de la poésie. Et comme je suis prof, ça va être pédagogique. Ça va donner des petits trucs. Fait que là, tu t'en vas voir ton boss, tu lâches ta job, tu dis, hey, me lance en poésie, ça va être full payant. Là, tu arrives chez vous, puis là, tu es devant une feuille blanche. OK? OK? Vous me suivez? Là, tu es devant ta feuille blanche, puis là, tu dis, bon, là, je me lance en poésie. On va commencer. Là, ça va te prendre un thème. Hein, madame? Vous savez, c'est quoi poésie? Hein? Ça va te prendre un thème. Fait que là, tu dis, bon, ben là, de quoi je parlerais? Il dit, oh, l'amour. Là, tu te crinques. Là, tu es certain que tu es le premier ou la première de l'histoire de la littérature à penser à ça. Tu dis, l'amour. Là, tu pars, tu dis, mon amour. Mais là, ça va te prendre une figure de style. Hein? Là, tu vas me prendre une comparaison. Là, tu dis, mon amour, tu es aussi douce que... Là, tu te crains, là, tu pars. Là, je peux prendre les réponses dans la salle. Mon amour, tu es aussi douce que... Du velours. Aussi douce que du velours. Ça serait très bon, oui. Ah, on peut en prendre deux, trois. On va choisir la meilleure. La peau d'un nouveau-né. Aussi douce que la peau d'un nouveau-né. et ces circonstances, disons-le. Ça va être dur à battre, on s'entend, là. Elle est inspirée, oui, ça va bien. L'inspiration poétique, non? Ben oui, j'espère. Tu lâches ta job, t'es aussi bien d'être bon maintenant. Un nono aussi douce qu'un nono. Ouais, ça rime en plus, mon amour. Moi, je vais y aller de ma réponse, OK? Personnelle, ça peut arriver qu'on garde la mienne. Sinon, la conférence sera pas longue, là. Donc, mon amour, tu es aussi douce qu'une pente. Hein? Une pente douce. Tu restes pas loin de là, hein, gars, c'est approprié. Là, tu te crinques, là, tu pars. Mon amour, tu es aussi douce qu'une une pente. Et là, tu vas te prendre une rime. Parce que toute la poésie, ça rime, hein, on sait ça. Il dit, mon amour, tu es aussi douce qu'une pente. Mon amour, tu es aussi fraîche qu'une menthe, une menthe fraîche. Mon amour, tu es aussi chevelu qu'un cuir, chevelu. Fait que là, tu te trinques, t'as ton sujet, tu pars. Mon amour, tu es aussi noble qu'une cause, tu es aussi pur qu'une race, mais quand même aussi sauvage qu'un feu. Et là, tu pars. Mon amour, tu es aussi éveillé qu'un soupçon. Tu es aussi désarmante que la simplicité, aussi tranquille qu'une révolution. Mon bel amour, tu es aussi délicate qu'une attention, aussi galante qu'un rendez-vous, aussi gâtée qu'une lame. Mon bel amour, aussi droite qu'un angle, aussi sportive qu'un esprit, aussi parfaite qu'un match.
parfois aussi ironique qu'un sort et parfois aussi sensible qu'une corde. Toujours tu m'épates, telle une galerie, puisque tu es toujours aussi attentive qu'une oreille, aussi sensible qu'une corde. Tu es aussi florissante que des affaires, aussi tentante qu'une offre. Tu as autant d'honneur qu'une parole, tu as autant de succès qu'une clé, tu m'es autant essentiel qu'une huile. Belle, 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 dans ta robe de vin, ta robe aussi blanche qu'une nuit, sous tes tenues aussi légères qu'une différence, tu es toujours aussi pulpeuse que du jus d'orange. Puisqu'encore aussi vierge qu'une forêt, tu es toujours aussi délectable que du sucre, aussi excitante qu'un bœuf Angus. Et moi, j'ai le goût d'être aussi gourmand qu'une île Angus. Ah oui, mon amour, viens, et nous vivrons des moments aussi magiques que des formules, des moments aussi intimes que nos parties. Et lorsque tu t'étendras comme une eau, moi j'aurai le goût d'être aussi pêcheur qu'un martin. Ah oui, toi, belle comme une arnaque, et moi, aussi dure qu'une drogue, mon amour vient, et nous resterons tous les deux enchaînés comme des moyons. Et nos corps s'emboîteront l'un dans l'autre comme des pots. Et nous resterons à jamais aussi unis que des états. Moi, je suis petit. J'arrive à 40 ans, puis je suis petit. Mais quand j'étais petit, j'étais petit. 3 et demi pommes. J'ai au même. On était allé à la ferme avec mes parents. Et puis là, c'est là que j'ai vu un petit lapin. Un petit lapin avec les yeux rouges comme le chlore. Un petit lapin bien ordinaire, probablement tout autant ordinaire que le plus ordinaire des petits lapins ordinaires. Mais moi, pour moi, il était extraordinaire. Celui que j'avais choisi. Probablement le premier que j'ai vu dans ma vie. Moi, je ne voulais pas les autres. Je voulais lui. Alors là, mes parents l'ont ramené à la maison familiale, sur la rue d'Avignon, à Jonquière, au Saguenay. Une rue bordée par deux grands champs de zones, de fouettes jaunes, d'herbes à poux puis de minou au printemps, des champs qui changeaient de couleur avec les saisons. On l'a ramené là, puis on lui a donné un nom magnifique. On l'a appelé Poêlon. Ah, je trouvais ça beau. Ah, Poêlon, je l'aimais. Hein? Moi, je l'aimais, donc c'est sûr qu'il m'aimait. Je le comprenais, donc c'est sûr qu'il me comprenait. Fait que Poêlon, lui, aimait beaucoup vivre dans le noir. C'est pour ça qu'il vivait en dessous du patio. Mes parents le sortaient que très rarement par temps lumineux. Hein? Ils me le mettaient dans les bras, puis prenaient des photos. Ah oui. Poêlon aimait aussi juste les carottes, rien d'autre. C'est pourquoi c'est tout ce que nous lui donnions à manger. Il aimait aussi beaucoup sa cage de broche à poule, de un pied par un pied. Et Poêlon aimait aussi beaucoup avoir son eau très sale. C'est pourquoi personne ne lui changeait jamais son eau, juste pour lui faire plaisir. Un jour, ce qui devait arriver arriva, hein, quelqu'un comme l'irréparable. Quelqu'un fendu la broche, quelqu'un a laissé la porte de la cage ouverte, et puis Poêlon, tout d'un coup, il est parti. Il est allé courir dans le grand champ de zones puis de fouettes jaunes, comme une petite boule de neige mouvante perdue en plein été. Mon père, courageux, mon père, ne reculant devant rien, il est parti à sa rescousse, aussitôt, sa 410, chargée, sous le bras. Moi, je suis resté de longues minutes dans les bras de ma mère. Quand soudain, on a entendu un coup de feu résonner à travers les montagnes du lac Kenogami puis des monts Valin. Mon père est revenu, puis il me dit qu'il ne l'avait pas retrouvé, que Poêlon s'était enfui pour toujours, puis que c'était pour le mieux, tu sais. Ce soir-là, on a mangé du poulet.
Mais moi, j'avais pas vraiment la faim, j'avais pas vraiment le cœur à manger, tu sais. Je vivais mon premier rendez-vous avec l'absence, avec le deuil. Quelques années plus tard, on est déménagé à Alma, nous autres. De toute façon, le grand champ de Fouette-Jaune, c'était rendu un quartier résidentiel, peuplé de Tremblay puis de Dolbec. Donc, on déménage à Alma. Entre-temps, ma sœur était née. Et puis là, j'arrive dans ma classe de deuxième année, avec Noëlla Gagnon, à l'école Saint-Pierre à Alma. Il y avait une petite fille blonde dans ma classe. Elle, je pense qu'elle s'appelait Vicky, dans mon souvenir. Ben, je pense. Ah, t'as peur. Wow! C'est réel, un matin? Ah, ça s'appelait Vicky, OK? Donc là, Vicky, elle me dit, non, c'est une récréation qu'un petit lapin blanc, bien ordinaire, avec des yeux rouges comme le chlore qui vient visiter chaque matin, puis qu'elle a le nourri. Ah ben là, j'allumais. J'ai enfin su ce qui était arrivé à Poilon. C'est que Poilon, imaginez-vous donc, il avait survécu deux hivers, tout seul. Il avait fait la route par le bois, entre Jonquière puis Alma. Ça, c'était avant l'autoroute, là, dans ce temps-là. Il avait fait la route jusqu'à Alma pour venir me retrouver. Puis encore aujourd'hui, on est quoi? On est le 25? C'est le 25? 25 janvier 2019. Je suis certain, persuadé, que Poilon, hier, à quelque part, puis il est à ma recherche, et vice-versa. Et qu'un jour, je vais le retrouver, puis ça va être la grande réunion. Alors, s'il te plaît, petite fille blonde, ne vieillis jamais. Et surtout, take care of Poilon. Mais il s'en passait des affaires à l'école Saint-Pierre. À l'école Saint-Pierre, Alma, là, il s'en passait. Il y avait Vicky, dans ma classe de deuxième année. Puis il y avait un petit gars qui s'appelait Marc. À mon souvenir, c'était Marc-Antoine. Ou Marc-André, là. On l'appelle-tu Marc-Antoine? On va l'appeler Marc-Antoine. Marc-Antoine, lui, là, il avait du succès, tu sais. Parce que Marc-Antoine, un, il avait un patois. Lui, il disait « bon gars ». Moi, je trouvais ça hot, bon gars. Là, je me disais, moi, il faut que je le dise. Là, je me suis crinqué. J'ai essayé de me crinquer à dire bon gars, mais tu te crinques pas de même à dire un patois. Après deux, trois semaines, là, bon gars, ça n'avait pas rentré. Mais il a fait d'autres choses. Marc-Antoine, je me rappelle de lui à cause, il disait bon gars. Je me rappelle de lui aussi à cause que Marc-Antoine, il faisait des jokes de code postal. Moi, je le trouvais drôle. Je le trouvais drôle. Il disait, mettons, là, on se retrouve, OK, on est dans les années 80. Il disait, quelle est la différence? T'as peu. Le code postal, c'est... Quel est le code postal le plus cochon au monde? Y en a-tu qui connaissent? Ouais, c'est sûr, ça fait vieillir. J'ai un cul neuf. Regarde. Il rit encore des jokes de Marc-Antoine. Il disait, tu sais, c'était dans le temps qu'il y avait des rumeurs entre... Rock voisine, puis Stéphane Richer, là, je vois, du Canadien. Là, ne me taxait pas d'homophobie, là, c'était des années 80, ça n'existait pas. Quel est le code postal du père de Rock voisine? GLV1PD. Là, c'est pas moi, c'est Marc-Antoine, OK? Cherchez-les sur Facebook, trollez-les, là. C'est pas moi qui dis ça, OK? Bon. Donc là, lui, il avait bien du succès, mais là, moi, je restais que ça, là. Marc-Antoine, il fait rire tout le monde. Fait que moi, là, pour me venger de Marc-Antoine, je vous ai fait un poème en code postal ou en plaque de char. OK? Ça s'appelle... Merci. Vous comprenez? On est dans le thème. Donc, ça s'appelle Hélène, OK? Hélène. Elle est nue. Dénudée, sans œillères. Elle est lavée. Elle est lovée. Elle est lessivée. «
Elle s'est essuyé le cul. À 21, elle eut TTBL. Elle eut un cul coté et sexuel. Et là, Hélène, NSAG, est sexagénaire. Elle a un cul baissé avec une fesse haussée. Elle est myope et abaissée et sa santé oculaire. Elle est ridée et sudsl. Hélène est reine éphémère. Hélène est mère. Elle a élevé 3 bébés très agités. Théo, Elliot et Hervé. Un est Sagittaire, 2 GMO. Elle est sa BRC, ses bébés. Elle est sa BNI. Elle a obéi à IAV. Et ce, sans discuter. Et même qu'une fois, à Détroit, elle s'est sentie grecque. Elle est si sensée. Hier, elle effeuillait ses roses et deux vins excités. Voulez-vous que je le recommence? J'entends quoi? OK, il m'a le dit tranquillement. Hier, elle effeuillait ses roses et deux vins excités. Très excité et fut percuté. Un caillot 200 au CRVO. Hélène décédée est macabée. Elle s'est hissée au ciel et nuagé. Et hier, elle a des ailes. Hélène et Phoenix. Et moi, j'ai saisi. J'y dédie ses mémoires effacées à elle. Oh, Hélène. Chose en poésie, mettons que tu décides de lâcher ta job, fais de la poésie, OK? Une autre affaire qui est importante, c'est être clair. C'est important d'être clair, OK? Moi, ma blonde, elle me dit tout le temps, je suis pas clair. Puis là, on va sortir un petit peu de la conférence du spectacle, OK? Ça fait pas partie du spectacle. Là, ce que je fais, c'est un conseil matrimonial que je vous demande. Ça vous va? J'ai écrit une lettre. On s'est pogné hier soir. Puis là, j'ai écrit une lettre, m'excuser. Puis là, je vous me le dirai après, à la fin de la prestation si ça vaut la peine que j'y donne. OK? Elle me dit, je ne suis pas claire. Alors, ça commence comme suit. Québec, le 25 janvier 2019, sous la reine d'Angleterre. Ben, sous le règne de la reine d'Angleterre. Hein? Faut être précis. Réel, véridique. Parce que sous la reine d'Angleterre, j'ai jamais été là. Puis s'il y a quelque chose que je ne veux pas voir, c'est bien ça. Bon. Hein?
Oui, moi, j'ai juste écrit à date. À date, j'ai juste la date, OK? Bon. Bon. Mais je mets des petites précisions, là, pour que ça soit très réel. Très surréel, mon affaire. Mon amour, ce n'est pas ce que tu crois. Je t'écris ici pour remettre les choses au clair. Tout ce que j'ai voulu tromper, c'est ton ennui. Hier, je me promenais sur le bord de la rivière Saint-Charles. Tu sais là où nous avons vu l'été dernier un lapin en vélo? On était... Ouais, pas long. On était en vélo, mais c'était pas lui, c'était pas lui. On était en vélo, on a vu un lapin. OK? C'est pas le lapin qui est en vélo, là. On n'est pas dans Alice au Pays des Merveilles, c'est... Bon. Des enfants jouaient au baseball. Nous avons vraiment rigolé lorsqu'un petit bonhomme de 4 ans reçut une balle en plein la tête qui revola très haut dans les airs. La tête, la tête. Ça a fessé, ça a fessé, ça a fessé. Tu te souviens que tu m'avais raconté une blague d'Yvon Deschamps? C'est une fois Yvon Deschamps qui rentre d'un bar puis sort de l'autre. On a ri, on a ri. C'est vrai, lorsque j'ai vu cette fille promenant sa chienne, j'ai tout de suite eu le goût de la baiser. La fille! Oh, pardonne-moi, mon amour. Je ne veux pas te blesser avec cette fille. En relisant la dernière ligne, je me rends compte que j'aurais tout de même dû la sauter. Nous sommes allés voir un film avec Nicole Kidman. Quand Nicole est repartie, elle m'invita chez elle. La jeune fille avait une fort belle maison. Je la pénétrai et entrai ensuite dans la demeure. Soudain, caché sous sa jupe, son mari sortit. Un revolver. Non, tu peux pas te la jupe. Il est sorti, lui, du garde-robe, OK? Ce qui explique peut-être qu'il y avait une jupe. Mais je tentais de lui expliquer la situation, mais en vain. D'où l'importance d'être clair. Il m'a fait manger des prunes, de la vache enragée, une volée, un char de marde et presque les pissenlits par la racine. Je suis revenu chez nous aux petites heures et j'avais peu dormi. Très fatigué, un chauffeur de taxi me ramena chez moi. Il a fallu que je le brasse, le réveiller. C'était dangereux, c'était dangereux. Je suis allé me coucher auprès de toi, mon amour. Tu sais, tu es ma femme. Ne pense pas trop à cette fille envers qui je resterai toujours fidèle. Et c'est signé Pico. P.S. Sache si je trouve un cheval, que si je trouve un cheval blanc, j'irai te voir dès que j'aurai envie de toi. Mais ça m'étonnerait que ça arrive. Que je trouve un cheval blanc, évidemment. Est-ce que ça vaut la peine? Conseil matrimonial, madame? Faudrait que ce soit plus clair. Elle ne m'a pas trouvé clair. Bon, gars, tout le monde m'a dit ça, tout le monde m'a dit ça. Là, je finirai avec un petit dernier. Ça vous va? Je dois bien faire ça pour 25 minutes. Parfait. Ah, tout est parfait. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Alors, moi, j'ai fait du slam poésie en masse. D'ailleurs, ce que je vous ai fait aujourd'hui, c'est des slams. Là, j'en fais plus trop parce que ça ressemble pas bien à des slams. Oui, mais on dit, viens, fais des slams. Moi, j'ai fait des cris, des affaires de même. Quand je suis arrivé là, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça. Donc, oui, en slam aussi, à un moment donné, il y a eu une mode, là, tu sais. Il y a eu une mode, là, le monde, il prenait des thématiques, là. Puis là, il faisait des jeux de mots tirés par les cheveux pour que ça fitte dans thématique. Là, ça a commencé que c'était les pays du monde. Là, il y avait quelqu'un qui faisait tous les pays du monde. Après ça, j'ai vu les villes, puis j'ai vu les... David Goudreau, lui, avait fait les marques de char. Il y avait plein de jeux de mots de char. J'ai vu les petits oiseaux. J'ai vu les arbres de la forêt. J'ai vu plein de choses dans même. Fait que là, moi, j'ai dit, ben gars, je suis pas plus fou qu'un autre. Puis les autres, ils gagnaient tout le temps. Moi, je perdais tout le temps. je me faisais tout le temps passer par un poème thématique. Fait que là, j'ai dit, gars, moi, je suis prof de géo, puis d'histoire. Pas plus fou qu'un autre. Moi, j'en fais un sur les régions administratives du Québec. Hein? Quelle version? Je change pas. Il y en a 17. Il y a 17 régions administratives du Québec. J'espère que je n'oublierai pas. Alors, ça va comme ça, puis je vais commencer en slameur, mais on fait des passes de bras. OK? Alors, ça va comme suit. C'est quoi ton nom, Nathalie? Une fille de région qui aime la poésie urbaine.
C'est capital. Excusez-moi, je me crois pas moi-même. C'est surréel, mon affaire. C'est capital national, hein, toi et deux. Des condos en haut. Puis qu'on se minouchait, toi puis moi. On aurait le temps en masse. De toute façon, au premier étage, il y a du monde qui écoute. Un pseudo-poète conteur. Au Morning Creative Surreal du 29 janvier, du 25 janvier. Il met ma main sur tes côtes. Nord, aurait plus qu'à descendre en ton centre du Québec. Et continuer leur course ainsi jusqu'à tes bossales orangées de couleurs vives. Ça sera pas long, là, m'en le prendre. Car pour posséder ton corps, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Nez, langue, seins, jambes, cheveux, oreilles. Tout y passera, même ta belle bouche, ta bouche. De shiny au corner duquel bec. C'est French kiss. Chevaucheront. Et je veux ton sexe. Et tu veux ma bite, t'aimer. Jusqu'à même qu'on en ait fini, nous recommencerons. On a le temps en masse. On peut donc continuer à se monter et gémir jusqu'à ce que tu l'avales. Ah! Ah non, demain, je ne te passerai pas à l'anneau d'hier, oh non. Car c'est un one night éternel, ah non, moi. Demain, je partirai, et toi, mon agace poésie, tu pleureras comme l'île de la Madeleine. Et je partirai dans ta région là, où ta wananiche mange le poulamon. Réalises-tu, Nat, que c'est fini, mais qu'il faut apprécier le temps qui passe, car à tout moment, on peut se dire, je suis mort ici. Non, demain, je partirai sur la route me disant, elle était chaude hier à Appalaché, la Laurentide la veillée. Mais c'est pas bien, bien grave. Car au matin, Morning Creative du 25 janvier 2019, on a eu du fun en Estrie. Merci beaucoup!